c'est pas le pasta gabinglas. C'est le café bien chaud de cette vidéo. Je veux vous parler des nouvelles dispositions mises en place par notre cher gouvernement, ouais, qui mange avec une cuillère en or dans la bouche. À partir de mardi, couvre-feu à 20h le 21h. Bon, à quoi ça sert concrètement? Hein? On voudrait savoir, parce que de toute manière, il est interdit de sortir le soir, hein? Aller au resto, en famille, aller faire du sport dans les salles prévues à cet effet. On ne peut plus aller au théâtre, se détendre, rigoler, on ne peut plus aller au cinéma. Donc, que tu rentres à 20h ou 21h, tu ne peux pas sortir. Hein? Il est impossible de sortir. Oh là là, c'est vraiment mais n'importe quoi. Voilà. Et du coup, ah, le 24, le corona n'existera plus pour revenir le 25. Parce que le petit Jésus, quand il va naître pour la 2020e fois, ah, je sais pas, il va lâcher des postillons guérisseurs, je sais pas. Et pendant toute la nuit, on va pas avoir de risque, on peut sortir à n'importe quelle heure. Mais hop, oh là 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 là. Mais le 25, c'est reparti. Il sera le nouveau là. Parce que le petit Jésus sera plus là. Ça en est des conneries, ça. Ah putain. Et le 31, on va être là. Peut-être des statues, des tableaux. On va pas pouvoir bouger. Ou alors, si tu viens chez tes amis à 7h, voilà, tu t'apérises, hein, tu t'apéritives, hein, pastaga, rhum, ce qu'on veut, hein, vin chaud, suze. C'est selon les goûts de chacun. Et voilà, surtout pas rentrer chez toi, sinon tu te fais allumer, donc tu es obligé de rester dormir chez tes convives. Bon, avant ça se faisait, mais bon, à plus de 6, là c'est maximum 6, donc bon, ça donne pas trop envie. Bon, moi ça fait quand même pas mal d'années que je fais plus le jour de l'an, mais bon, c'est une question de principe. Je pense aux jeunes qui veulent s'écarter, voilà, sortir, danser, un peu fêter la nouvelle année dignement. Ah ben voilà, ceux de 20 ans, ceux qui ont 20 ans cette année, eh ben ils pourront pas le faire. C'est une situation quand même inédite et dramatique. On est bien d'accord sur ce point. Ils sont en train de faire n'importe quoi. De prendre le web pour des marionnettes et ceux qui tirent les ficelles. Voilà. Parce que ils nous disent de mettre le masque et tout, mais oh, celui, hein, tu fais croire à celui qui est meilleur, hein, que vous mettez le masque, les gens du gouvernement, hors des caméras, hein, et que vous n'allez pas vous réunir et tout là, hein. Macron, Brigitte, hein, autant ils vont louer des gens des îles, ils vont faire une grande bangue avec, hein, ma foi, c'est rien, hein. Mais bon, tout est imaginable, hein. Autant, hein, le Manu, hein, macaron, hein, va sniffer sur les fesses de Brigitte. Ouais, ça, je le vois bien, dans ces délires-là, lui. Un peu chelou, un peu extrême. Hein, on ne connaît pas assez bien les gens. On ne connaît pas assez bien les gens. Hein. J'en ai eu la preuve plusieurs fois. On tombe de haut quand on connaît vraiment les gens. Et oui, faut jamais se fier aux premières apparences. Et lui, des apparences, hein, trompeuses. Oh, pauvre. Je sais pas combien de facettes. Hein. Je suis persuadé. Vistard qu'il est. Enfin, bref. Voilà. C'est des fêtes de fin d'année, on ne peut plus joyeuses, que l'on va passer. Hein, pour vous dire.
Moi, j'ai même pas attaqué la déco de Noël. Pas trop l'envie. Normalement, je les attaque, c'est début décembre. Voilà. J'ai pas envie. On est mi-décembre. J'ai vraiment pas le goût de faire la déco. Peut-être je la ferai pour mon gosse. Bon, ouais, je dis ça, mais je la ferai sûrement. Ouais, c'est. Ah, ça donne pas trop l'envie. Hein. Voilà. Sinon, les une heure. Le club de foot préféré qui joue contre Monaco. Va falloir se réveiller. Hein, au Vélodrome, les Marseillais. Parce que Monaco, ils sont en nette progression. Hein, donc il faut quand même tenir à la barque et s'imposer tout à l'heure, à 5 heures. Hein, sinon, je vais faire un débrief. Vous m'avez compris. Hein, après le match, je vais faire un débrief s'il n'y en a pas. Un débrief engagé, pardon. Un débrief engagé. Pas un débrief abbayé. Voilà. Hein? Avec peine de paillettes. Hein? Comme Dimitri. Bon, voilà. Je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Et portez-vous bien surtout. Bonne fête de fin d'année à tout le monde, malgré les événements qui rendent fou.